thank mm -hmm. you Bonjour. Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence 7 et aujourd'hui on a une émission spécifique sur les dérives de la République parce qu'on sait enfin le programme de notre président et on va pouvoir parler de ce qui nous semble un peu à côté. Alors vous êtes bien sur Solidaire d'abord et nous sommes quatre autour de la table. Alain, Denis, Florence Palot. Bonjour. Et puis euh, moi, Michel. Alors donc voilà. Les dérives de cette république. Alors, ça commence avec un sujet euh, que vous connaissez peut-être tous, qui est euh, les cabinets conseils. Alors, on en a un tout petit peu parlé dans la dernière émission qu'on a faite il y a 15 jours. Et ces cabinets conseils, alors là, il euh, y, y a quand même du lourd, parce que, apparemment, justement, il y a eu une commission sénatoriale, hein, qui, a, qui a fait une exploration sur le cabinet McKinsey, entre autres. Et qui montre qu'il euh, ben, y, y a plein de choses qui vont pas du tout. Ils ne sont pas du tout d'accord, les sénateurs, hein, avec la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on remette les clés de plein d'études d'État au, au cabinet McKinsey, entre autres. Qui ne paye pas ses impôts en France Cherchez l'erreur, quoi alors donc il est payé et, et comme d'habitude c'est euh, un paradis fiscal euh, à l'endroit où ils reçoivent leurs sous et puis voilà quoi c'est-à-dire c'est une grande démonstration de justement ce qui ne fonctionne pas avec ce quinquennat macron entre autres et alors donc petite histoire il y a, le cabinet McKinsey a commencé à prendre de l'importance en France en 2007 sous Sarkozy. Sous Sarkozy, de McKinsey propose de faire une étude gratuite pour Sarko. L'étude gratuite consiste en supprimer des fonctionnaires parce qu'ils vous coûtent trop cher. Sarko suit cet avis. En tout cas, ça se discute, je ne sais pas s'il a tout de suite bondi sur l'offre de McKinsey, mais en tout cas il a fait ça, il a supprimé des fonctionnaires. Et une fois qu'il a supprimé des fonctionnaires, ben, il avait besoin de McKinsey pour pouvoir faire des études, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc à la suite de ça, on se retrouve avec un cabinet qui prend de plus en plus d'importance, qui à l'époque n'avait que quelques études à faire à l'époque de Sarkozy, mais à notre époque, c'est euh, à tous azimuts, même au niveau de l'armée. Alors toi, Alain, tu voulais nous parler de, du fait que euh, ça ne te surprend pas, parce que dans les banques, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, cabinet-conseil ben Disons, les, les banques euh, ont souvent recours, oui, à des consultants et, et à des cabinets, euh, cabinets conseil oui, des, des, des cabinets privés, euh, pour réfléchir, disons, sur la stratégie, entre autres... Euh, sur le marketing, hein, comment vendre, euh, comment vendre mieux, comment être plus performant, hein, les mots qu'on connaît bien de, de Macron, euh, comment pénétrer plus un marché, euh, et au fond euh, faire plus d'argent, hein, être donc les, ces, ces intervenants disons viennent, euh, ils n'ont rien à voir disons avec la, avec la banque ils ont accès, disons, à beaucoup de données, peut-être pas aux données bancaires, disons, à titre personnel des individus, des clients, mais sur le fonctionnement, sur les comptes de, de, de la banque et sur le. Le, le marché vu d'une manière globale, c'est-à-dire euh, qui euh, fréquente cette banque, euh, quels sont euh, les fonds stables, euh, combien de crédits, quoi, enfin, bon, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et de là naissent, euh, disons, des stratégies, euh, des stratégies pour euh, pour, mieux, euh, pour faire plus d'argent. Voilà. Alors, au niveau stratégique, tu, tu nous dis que ça vient de loin, puisque en 1940, enfin, bon, un peu après la guerre. Euh... Alors, un Mais... petit peu après la guerre, oui, en, euh, tout de suite après 1945, disons, euh, j'en ai déjà eu parlé, je pense, à, à ce micro. Hein, et, euh, bon, c'est la fin donc, euh, du nazisme. Et moi, j'ai été très, très surpris, euh, et entre autres par un bouquin de, de Chapoutot, hein, euh, Joan Chapoutot. Euh, où euh, il, il nous parle d'un général euh, qui s'appelle euh, Reynard. Euh, il nous parle de ce général, donc quelqu'un quand même qui n'était pas innocent dans, dans le fonctionnement euh, disons, du nazisme troisième du troisième reich, euh, du troisième reich euh, et cette personne disons va se reconvertir va rester en allemagne en allemagne hein, et va créer euh, une école de une école de commerce une école supérieure de commerce très performante et qui va former énormément de de cadres euh, pour le disons pour le, le marketing et pour euh, et, et pour que... le euh, pour euh, disons euh, préparer les, les cadres de demain. Est-ce qu'on peut dire que Reagan et Thatcher se sont, 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 sont inspirés de ce genre de gens de... Sans aucun doute, oui. oui sans, sans, sans aucun, sans doute. Doute. Et, sans aucun et, doute. Et toi, Florence, tu voulais dire un truc sur ce chapeau euh, euh, Oui, oui, pour, euh, pour rebondir sur, euh, sur ce texte-là qui s'appelle, je crois, Libre d'obéir. En fait, la, 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 la stratégie et l'axe principal, c'est essayer de, de trouver les moyens, les mécanismes, de produire toujours plus. Et mieux avec le moins de moyens possible. Et, et sur ce point-là, euh, eh bien ce, cet ensemble en fait hein, de, 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 de hauts cadres ont remarquablement réussi à, à répandre cette stratégie un peu partout en Europe. Et, et du coup, tout se passe comme si en fait euh, il s'agissait aujourd'hui d'orienter, d'orienter pardon, euh, le, 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 la façon de gouverner les hommes de cette manière-là. Ce qui explique les, les orientations politiques choisies, qui vont consister à chaque fois à tenter de faire plus euh, avec le moyen moins de moyens possibles. Ça explique l'école, l'hôpital, le, etc. Ça, quoi. Le, la justice. C est c est c est exactement la même philosophie. Hein. C'est tirer ouais. toujours plus avec le minimum de moyens, de manière à devenir de plus en plus euh, compétitif. Hein. On, on va même jusqu'à mettre les les uns dans une même entreprise, les uns avec les autres en concurrence, hein, ah, ah. en créant des, des choses dont, dont, avec lesquelles moi j'ai bossé, le benchmark, c'est-à-dire on compare les, un ensemble de, de sur un territoire un ensemble d'agences hein, et on, on compare l'agence la plus performante. Oui, c'est-à-dire c'est toujours Très dévalorisant, quoi. Enfin, et si la personne ne réussit pas, on lui propose, là, un premier temps, la formation. Hein, on part du principe. Donc, c'est toujours très cool. Hein, c'est toujours très tranquille. C'est toujours très lissé. Je retrouve tout à fait les propos de Macron. Hein, presque des propos, presque maternels. Hein, où on, je, on a l'impression d'être. Je t'interromps deux secondes. Il a fait trois ans de, de banque, lui, le monsieur. Il a fait trois ans ça que tu retrouves. Un voilà, peu il n'a pas fait beaucoup. Hein, mais alors, euh, on a l'impression qu'il que, qu est tombé dedans vraiment très jeune parce qu'il est vraiment super formé. <laughs> super formé, c'est le produit même euh, de, de ce type de formation. Du banquier modèle. Formaté. Formaté. Ouais. De toute façon, l'objectif c'est de formater les esprits, les cerveaux, hein. c'est-à-dire faire des. Euh, des clones euh, Faire des clones, ouais. Faire des plays mobiles. On, on finit du coup par euh, adopter cette, cette, cette attitude-là qui s'appelle finalement du management au lieu de justement de, de gouverner et donc de donner euh, éventuellement la parole aux individus. Et là où c'est très très fort, la stratégie qui est utilisée, c'est que euh, souvent on essaye de faire croire à des cadres à qui on va donner, ou du moins faire semblant de donner un peu plus de responsabilité, euh, on leur fait croire qu'ils sont libres justement de décider de leurs actions, alors qu'en réalité, euh, leurs actions sont évidemment orienté dans un but très précis, d'où le titre d'ailleurs de, de Chapoutot, ouais. libre d'obéir en fait. Libre et c'est pas du tout un complot. En fait, le complot s'il y en a un, c'est presque un complot d'idées, c'est presque un complot philosophique, c'est-à-dire que les gens ils ont déjà, ils sont déjà formatés pour pour cette société là. C'est ça. Hein Tous d'accord, les profs, les journalistes, euh, les traders, les banquiers, etc. Et si les oligarques ont acheté d'ailleurs euh, les, les la presse, hein, c'est bien parce que c'est une manière de de, de, de dompter les, les idées, les réflexions hein, par, par l'information. Hein. Et, et donc, ces gens-là, ils ne sont absolument pas prêts, d'ailleurs, à discuter du pouvoir, puisque euh, quand, quand on, on, on peut avoir une réflexion, alors ce n'est pas exactement sur ce propos-là, mais Monsieur mais, Macron nous explique qu'il s'en fout royalement de dire si c'est de droite ou de gauche, ou etc. Lui, il est au-dessus de la mêlée, quoi. Il, il s'en fout royalement. Que ce soit de droite ou de gauche, oui, qu'importe, pourvu qu'il arrive à son objectif. Ouais. Seul compte son objectif. Alors, il y a dans, cette dérive de, dans ces dérives de la République beaucoup, beaucoup d'affaires qui ont surgi, entre autres l'affaire Benalla, peut-être, tu voulais Oui, alors euh, pourquoi dire un mot de cette affaire Benalla euh, En fait, il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, mais on en a surtout retenu euh, deux. Euh, la première étant l'affaire dite du contre-Sparte, c'est-à-dire celle-là où a eu lieu. Euh, l'usurpation de, de la fonction de policier de, de Benalla quand euh, il a interpellé un, un couple un jeune couple qui euh, lançait des ou qui aurait lancé des des, des projectiles sur euh, sur les CRS euh, et là euh, ces images en fait ont été retenus et ont montré en quelque sorte le, le comportement des, des proches de, de Macron puisque Benalla était un, un conseiller en quelque sorte, chargé de mission euh, de, de, du président Macron. Et euh, d'un coup d'un seul, on a, on a vu euh, finalement la possibilité d'un homme à avoir euh, à prendre un, un pouvoir complètement arbitraire, c'est-à-dire je décide par ma seule volonté en m'affranchissant des règles. Euh, de, de des lois même pour faire bah, ce que ce que j'ai en, envie de faire ça c'est la première affaire et la deuxième c'est l'affaire des, euh, des passeports diplomatiques qui' mon, qui montre exactement le même euh, la même attitude c'est à dire cette espèce de, de, de forme de pouvoir arbitraire et donc de, de, de fait comme tu disais michel euh, je me mets au dessus de la mêlée quoi oui, et oui, en fait oui. plus rien ne me touche oui. donc du coup euh, forcément, dans l'esprit des, des individus, des citoyens, eh bien, le, le, le sens même de la République euh, commence à être délité, à s'effriter, puisque précisément, euh, bah, on va perdre confiance. Euh, comment faire confiance à des individus qui eux-mêmes se mettent de tout de suite tout? C'est une république il, des entre soi, hein, parce que donc en fait Benalla en plus il a la confiance de Macron. Pourquoi Parce qu'il y a une affaire très très importante dans le financement de de, de la campagne de Macron en 2017, euh, où il a eu affaire à, à un monsieur qui s'appelait Alexandre Djouri que connaît Benalla hein, et, et Benalla ouais. connaît euh, beaucoup beaucoup de d'oligarques puisqu'on peut les appeler quasiment comme ça euh, algériens qui étaient euh, euh, maqués avec Bouteflika euh, excusez du peu, il y a en 2017 puis quand Bouteflika est, euh, est tombé ben ces gens là sont tombés quelques temps après, ils sont tous en prison maintenant d'ailleurs bon, voilà, c'est ceux là qui ont participé de façon occulte en plus parce qu'on n'arrive pas à prouver vraiment à part le fait que comme par magie, Macron avait beaucoup de cash donc en plus, il a, il a, il a masqué l'argent qu'il donnait. À, par exemple, quand, quand il, a, il organisait un meeting, bah, il y avait les gens, ils étaient payés en cash. Donc euh, voilà, euh, on n'a pas pu, comme ça, euh, avoir vraiment des comptes de, de campagne clairs. Enfin, donc euh, voilà, il, il a ses affaires derrière lui. Mais alors tu disais, Alain, euh, justement, cette, cette, cette espèce de, de gens qui sont un peu au-dessus, ça faisait penser au préfet allemand. Euh, oui, l'Allemand, oui, m'a toujours surpris. Et surtout, d'ailleurs, ce qui m'a surpris chez l'Allemand, c'est qu'il qu ait reçu la, la Légion d'honneur. C'est-à-dire que, euh, en même temps qu'Edgar Morin, euh, ça m'a vraiment cho choqué euh, que, que Macron, disons, euh, reconnaisse cet homme euh, qui, est, qui était hyper violent. Alors, bien sûr, il le reconnaissait puisqu'il l'avait choisi. Hein, et il était préfet de, préfet de police. Il est d'ailleurs peut-être toujours, d'ailleurs, préfet de police, je crois. Hein. Euh, et moi, ça me surprenait parce que, bon, je suis un enfant d'Annonay. Euh, en 68, bon, je suis né en 1953, donc 68, j'avais 15 ans, et je me souviens de Grimaud, Grimaud, Grimaud qui était le, le préfet de police et qui a été, euh, on pourrait dire, presque exemplaire, parce qu'il avait rappelé aux au, au policiers que, que lorsque quelqu'un était par terre, euh, on ne le frappait pas, euh, que c'était la police qui s'honorait de, de, de ne pas le frapper. Quoi. Alors que là, on, on, est, on a eu quand même une attitude, des attitudes très, très violentes, très violentes, hein, euh, par rapport à ce, à ce coup. On a eu ces images qui défilaient, quoi. Enfin, et puis bon, pour les gilets jaunes, combien ont perdu été éborgnés, ont perdu une main, je crois. Qu'enfin, il y a eu quand même beaucoup de victimes, et ça n'a jamais été de la part, il n'y a jamais eu, disons, ni de regret de la part de l'Allemand. Et à la fin, il a été récompensé. Donc là, c'est quand même, je trouve, c'est trop, trop, trop fort, quoi. Enfin, c'est. C'est inadmissible. Alors, Denis et Florence, vous aviez tous les deux des choses à dire. Euh... Bah, euh, disons que du coup, pour, pourquoi ça interroge justement les, les dérives de, de la République bah parce que précisément, on a vraiment le sentiment qui euh, qui s'affranchissent de ce qu'on va appeler l'État de droit, c'est-à-dire euh, de, 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 des lois qui auxquelles on va, les lois écrites auxquelles vont être subord, les lois qui vont être subordonnées pardon aux autres, qui, qui doivent tenir compte des des droits fondamentalement humains, à commencer donc par justement cette valeur qui s'appelle la liberté et qui finalement aboutit à des actes de, de domination. Parce que quand on abuse en quelque sorte de son pouvoir pour euh, euh, finalement mettre à terre un individu, ou parfois même les mépriser, on pourra revenir là-dessus, parce que Macron a aussi utilisé des phrases même, très méprisantes vis-à-vis -vis des citoyens, fait que bah, l'état de droit et donc la République est remise en question. Quoi. Et, et tu disais, tu commentais la phrase de l'allemand, je ne suis pas dans le même camp. Et oui, mm -mm. Alors, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, prof de philo hein Alors, dire que je ne suis pas dans le même camp, c'est euh, signifier et immédiatement euh, l'idée selon laquelle, euh, finalement, je ne fais pas respecter la loi de la même manière pour tous. Et, et donc, du coup, encore une fois, c'est s'éloigner considérablement, justement, de, bah, de ce qu'on va appeler communément l'état de droit qui se construit, justement, contre la violence. Et en fait, on a le sentiment que euh, c'est l'exact inverse qui, euh, qui, euh, qui se produit, tout simplement. Quoi. Non, mais Didier Lallemand, il a été médaillé, mais parce qu'il a bien travaillé. Il ne faut pas se faire allusion. Didier Lallemand, il va chercher ses ordres de gouvernement et il les fait appliquer par, par les forces de l'ordre. C'est voilà, un intermédiaire, ni plus ni moins, mais qui a bien appliqué les consignes. Donc, et récompense. oui, c'est un, un exécutant, Denis, tu as raison, mais il euh, y a des gens qui excellent dans l'exécution. Oui, oui, mais il est très obéissant, il fait très obéissant ce monsieur. Oui, oui, mais en même temps, si tu veux, moi je trouve que l'Allemand, il est dans une interprétation de son rôle de préfet, puisque justement, vous avez montré, euh, Alain tout à l'heure, tu nous, nous parlait de ce monsieur qui s'appelait Grimaud. Oui, Grimaud, oui, oui. Qui, qui, lui, fait une interprétation de son rôle de préfet en disant on ne frappe pas un homme à terre, alors que l'Allemand a sûrement dit à, à, ses, à ses collègues, allez-y, vous frappez un mec qui est à terre parce que c'est un connard. Non, hein le, le premier préfet, qui était, le préfet de Paris qui était au début des Gilets jaunes, il a été remercié parce qu'il n'était pas assez dur. Oui, donc Didier était... Lallemand était à Bordeaux, il avait montré qu'il était très, très dur avec les, les Gilets jaunes, avec les manifestants, donc il a été nommé pour ça. Il est venu à Paris pour ça. Donc, euh, il a fait ce qu'on attendait de lui. Oui. Mais Et donc, il a euh, bien fait. Quand, quand je parle d'interprétation, interprétation du rôle du préfet, interprétation du rôle du président de la République aussi. Puisque théoriquement, un président de la République, c'est quand même quelqu'un qui protège les citoyens. Alors là, on n'est plus, on est plus dans, dans ça du tout. Euh, ce n'est pas, pas un président de la République qui ne fait pas vendre l'industrie républicaine à, à d'autres. Alors que Olivier Marleix. Euh, Député LR, qui n'est donc je ne suis pas de son camp, mais euh, je respecte complètement ce qu'il peut dire, puisque lui il est en train de dire, euh, ce gars euh, Macron est en train de vendre la France à la découpe quoi. Est-ce que c'est ça le rôle d'un président de la République, vendre la France à la découpe Oui, non mais il s'est largué depuis un moment. Hein. Depuis les le mouvements des jaunes, le, ils ont été, le gouvernement a été épinglé parce que par le par un tas d'organismes, parce qu'à cause des LBD, à cause des violences, à cause, à cause de ça, ça n'a jamais changé de, de cap. Il a gardé, continue à garder le cap, et tous les week-ends, les, les manifestants se détabassaient, gazés et, et flingués par les LBD. Donc, euh, ça n'a jamais gêné et ça n'a pas empêché de dormir Macron. Hein. Lui, l'essentiel, c'est qu'il reste au pouvoir et qu'il applique sa, ta, sa, sa politique. Il n'y a que ça qui comptait. On peut se poser la question si on est toujours dans un état de droit, hein, d'ailleurs. Alors Alain, toi, tu, vous, tu nous disais, euh, mais ils sont entre eux. Hein. C'est les, les élites qui sont entre eux. L'entre-soi, aujourd'hui, oui, je crois qu'on on a, a créé des castes, hein, plus ou moins. On a, on a, on a le, le monde de, des ouvriers, de ce qu'il en reste, parce qu'il n'en reste pas beaucoup des ouvriers. Hein. En, en France, il y a surtout des gens qui vendent. Aujourd'hui, il y a surtout des, vend des vendeurs, hein, de, des employés. Les employés et les ouvriers se font rares. Euh, donc, quel peuple euh, Et puis, il y, euh, y a ces gens élites hein, qui, qui sont souvent issus. Euh, bon, si on prend Macron, bon, il, est, il, est né, il est né dans une famille de, de médecins. Euh, il est allé après dans une école privée, la Providence à Amiens. Euh, bon, c'est de l'entre-soi. C'est des gens qui, au fond, on se dit, mais. Peuvent-ils comprendre un ouvrier C'est pas possible parce qu'au fond ils n'ont jamais eu euh, de contact ni avec un agriculteur ni, ni avec un ouvrier. Oui. Ils savent pas ce que c'est et, et donc comme ils sont assez nombreux quand même aujourd'hui à, à faire des études, ils peuvent ils peuvent vivre entre soi. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin des autres. Alors euh, Flo, Florence, tu disais que c'est la même chose pour les journalistes et les animateurs. Donc après, en fait, ce qu'on voit à la télé, la représentation de la France. C'est justement quelque chose qui n'a rien à voir avec les ouvriers d'ailleurs. Il n'y a pas d'élus ouvriers, etc. Oui, c'est vrai que si on regarde l'Assemblée nationale, il y en a très peu, en tout cas des, des, des gens qui euh, représenteraient euh, de façon plus générale justement l'ensemble de, de la population. Il y a très peu d'hommes de, de, politiques ou de femmes politiques dans l'Assemblée nationale. De... Des gens Je... marché des des il y en a quelques-uns quelques puisque nous, nous avons bien une, une aide soignante qui est présente. Caroline Fiat. Euh, voilà Caroline Fiat qui est députée euh, à l'Assemblée la, oh, oui. nationale. Mais Pourquoi euh, euh, en fait, cette espèce de, de reproduction sociale, effectivement, on la retrouve dans tous les domaines où du le même coup. Euh, tout se passe comme si, en fait, ils, ils se protégeaient entre eux et que euh, ils lisaient le monde à travers la grille de leur interprétation. Et donc, du coup, ils passent à, à côté, de, à côté de, de la plaque. Et moi, j'aime à dire que, justement, il ne faut pas confondre le, le, le travail de journaliste qui consiste à aller sur le terrain, à mener des enquêtes, et donc ça demande du temps, et celui qui va présenter quelque chose qui anime et qui euh, généralement euh, est de mèche d'ailleurs avec euh, les individus qui sont dans le, dans le pouvoir et qui vont euh, tous les premiers mercredis du mois, je crois, euh, dîner au siècle pour décider justement de ce qu'il faut dire à propos de, de, de telle orientation politique. Donc, donc en fait, dire... après, là, tu nous expliques que petit à petit euh, se met en place la communication qu'on va avoir. D'ailleurs, à propos de communication, Denis a une communication à nous faire, parce qu'enfin, on sait quel est le programme de Macron. Hein. C'est oui. bien à peu près ça. Hein. Oui, oui bah hier, hier il, a fait, il a dévoilé son programme en monologue, comme chaque fois, tout seul devant les journalistes. Là, il a fait son petit discours. Donc, ben voilà, ben, attendez-vous à, à des réformes qui ne sont pas sociales du tout. Hein. Donc, ben, le RSA, alors je n'ai pas tout retenu. Hein, parce que... Alors, le RSA, donc, euh, maintenant, ceux qui touchent le RSA, il faudra qu'ils travaillent. Donc, 15 à 20 heures par semaine, je ne vous dis pas, déjà qu'il y a du chômage en pagaille, et pour toucher le RSA. Et euh, Roussel, il dit, c ça sera 7 euros de l'or. Donc, 7 euros de l'heure, travailler pour 7 euros de l'heure. Ils il expliquent, Roussel, que c'est baisser le SMIC à 7 euros, d'ailleurs. Voilà, oui. hein en gros, ça revient a, à ça. Il y a déjà du chômage. Il y a les auto-entrepreneurs, déjà, qui galèrent pour trouver du travail, parce que c'est prouvé que la moyenne, c'est 500 euros par mois qu'ils gagnent. Il y a les Uber, qui, qui sont en procès, d'ailleurs. Il y, y a une, une boîte d'Uber, enfin, c'est pas Uber, c'est une boîte qui faisait pareil, l'hiver, je sais pas quoi, là, fait, bon, qui est en procès, qui a perdu son procès, d'ailleurs. Ils sont condamnés. Et ben voilà, ce sera encore une autre classe d'ouvriers pauvres qu'on veut in installer euh, de plus. Voilà. Après, il y a les enseignants. Alors les enseignants, hein, Florence Palot, bravo, vous allez augmenter, mais attention, il y aura une nouvelle, de nouvelles missions. Donc on va vous demander d'autres choses. Donc on n'est pas augmenté. À partir du moment où on augmente <laughs> le volume horaire de, 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 de travail et de présence, on n'est pas augmenté. Il nous la frappe à l'envers. Hein, <laughs> enfin, en ce qui me concerne. <laughs> Alors après, il y a la, la réforme des retraites. Donc, euh, ce n'était pas l'autre fois en 2017. Mais ça y est, il a adopté la réforme des retraites il veut la pousser à 65 ans. Donc, voilà. Déjà, les Français qui font des travaux pénibles n'y arrivent pas. Mmh. Et bien. Donc du coup, ils n'ont pas une carrière longue. Parce que là, on est plusieurs retraités, donc on peut ouais. parler de notre expérience. Hein, mmh. Toi, Denis ou, ou moi, déjà, euh, Alain, je sais que toi, bon, tu as, as fait une carrière, toi, on va dire euh, plus, certainement plus, plus plus clair que, que nous, mais pour, pour ouais. arriver à, à faire revendiquer les années de travail, etc. Moi, j'ai eu ma retraite théoriquement à 62 ans et je l'ai pas eu à 62. J'ai déjà eu à 65 parce que j'arrivais pas à avoir suffisamment d'annuités. Donc, imaginons que la retraite soit passée à 65, là, c'est à 70 là, que je pars. Oui. Euh, oui. oui, parce que les retraites à euh, carrière complète, euh, il n'y en oui. a pas beaucoup qui auront carrière ah, complète. Ça, mais... faut pas se donc, ce sera des, des retraites au rabais. Oui. Le temps qu'on il ne faut pas se faire allusion. Hein. Et puis, la réforme du chômage, alors elle est déjà en cours, la réforme du chômage, mais elle va s'accentuer. Tout doucement, on va serrer la vis sur le chômeur, parce qu'il coûte un peu de dingue, c'est bien reconnu, parce que c'est chômeur, c'est affreux ce que ça coûte. Et puis, la baisse des impôts, alors on va baisser les impôts de 15 milliards. Donc, moitié sur les ménages, moitié sur les entreprises. Alors, vous savez ce que ça fait, la baisse des impôts, c'est les cotisations sociales. Donc, euh, moins, de, de, moins de solidarité, plus de. En fait, ce qu'il dit par rapport au, au, au RSA, c'est que le, la personne qui reçoit le RSA, pour reprendre ce que ouais. tu disais au début, il, il a des devoirs par rapport à, ouais. à ce qu'il reçoit. Est-ce que les, les traders, est-ce que les, les actionnaires ont des devoirs moi, moi, je, je crois qu'on les met jamais en avant. Et alors, l'émission est presque finie. Florence, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que les, les jeunes qui travaillent Alors, justement, euh, en fait, on a le sentiment que Macron va renforcer ce qu'il a quand même déjà réussi à, à produire euh, sous ce quinquennat-là, euh, à obliger des, des jeunes à travailler pour payer leurs études. Alors on a tous en tête la représentation d'étudiants de, 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 qui sont obligés de travailler, en particulier dans les grandes villes, parce que bah, la vie est assez chère, etc. Et on n'imagine absolument pas euh, le fait que, par exemple, euh, en Ardèche, des jeunes lycéens travaillent aussi. Alors, quand bien même qu'il s'agisse de, de, de petits travaux dans, 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 à des fins d'argent de, de poche, bah, cela signifie pour moi que bah, la famille n'a pas les moyens justement de, de satisfaire, de donner de, de l'argent de poche à leurs enfants. Et euh, dans tous les cas de figure, ça interroge quand même euh, justement sur le système qu'on est en train de mettre en place. Euh, et donc du coup, bah, les élèves, dès qu'ils sortent de cours, euh, bah, ils vont travailler. Parfois, ils sont en train de se rendre compte que euh, finalement, le contrat qu'on leur avait proposé n'est pas tout à fait le même que ce pourquoi ils avaient signé et donc du coup petit à petit on met en place vraiment une régression sociale en ce que bah, bientôt on fera des contrats de travail de 3 heures comme au Moyen Âge où on va payer à la tâche et euh, l'exemple le, le, de la réforme portant sur la RSA euh, qui est conditionnée à des travaux de 15-20 heures, c'en est un parfait exemple. Ce que, ce que nous a expliqué Denis, c'est un, un, un programme quoi. très très adroit. Ce que tu nous expliques, c'est que ça a déjà un impact de toute façon... Ça a déjà commencé, euh, quoi. Voilà, ça a déjà commencé sur les, sur les jeunes. Est-ce qu'on a envie que ça continue Enfin, bon, voilà, c'est terrible. Oui, le bonheur, je crois que le bonheur vous appartient. Et le bonheur, c'est à vous. Alors... J'essaie d'aller le, 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 hein. le chercher. <laughs> Il n'appartient pas aux Énarques. C'est pas allez. À eux de penser pour notre bonheur. Notre bonheur, c'est à nous d'aller le pêcher. Allez, à et, bientôt. Et... Alors, au revoir. Merci, et au revoir. Au revoir. Au revoir.